Bonjour à tous, de retour sur Foundation épisode 3, nous allons continuer notre petit village tranquille. Objectif du jour, essayer d'avoir au moins une boulangerie, mais quand même la bergerie, ça serait quand même assez intéressant en plus. Alors, oh, notification no zoing. Ok. D'accord, pourquoi pas. Mon lieu de travail est plein, Stonecutter Part. Alors, c'est lequel qui est plein? C'est toi? Non, toi, y a rien. Toi, d'ailleurs, voilà, hop, Thomas au travail. Toi, c'est, y a pas grand-chose sur place, donc ça doit être du caillou. Le caillou d'ici qui doit être plein. Alors, non, bah non, ça risque pas. Parce qu'il y avait personne. Donc... Bah donc c'est forcément l'autre, le dernier ici. Voilà. Et oui, il y en a beaucoup. 97. Est-ce qu'on a un lieu de stockage? Non. On va peut-être avoir un lieu de stockage. On a de la... Ah si, on en a un. Bon bah alors, mon gars. Soit les deux autres là, va falloir se manier les fesses. Soit sinon, faut en fourguer aussi. Là, ça bosse, hein. Par contre, Lily, ça bosse pas beaucoup, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire, sachant... Ouais, hein, il y en a un paquet ici aussi. Alors là, c'est un peu compliqué. J'ai trop de cailloux. Bon. J'ai trop de cailloux. Flûte, alors. Ah bah là, j'ai l'air faim, maintenant. On a trop de cailloux, donc on va essayer d'en revendre. Ça paraît le plus sûr. Ressources. Alors déjà, il y a lui, il en achète. Il achète de ça. Des pierres polies, mais pas de cailloux. Donc du coup, des pierres polies. Bah, il faut augmenter la production. Je vends tout ce qui est au-delà de 50. Donc, je suis censé en vendre. Mais ici, vu que j'arrive qu'à en avoir 50 à l'intérieur, est-ce que... C'est pas à cause de ça que ça va pas. Bon, je vais y réfléchirai tranquillement, hein, et on va essayer de... Bah, on va pas tarder à avoir les 300, donc on va peut-être avoir le temps d'y réfléchir. Bah, sinon on en fait un troisième qui bosse la pierre, hein. Et ici on fait un deuxième emplacement. Allez. Un deuxième emplacement pour les pierres poules. Voilà. Quand l'autre viendra, il va pouvoir en acheter un paquet. Ah, marqué, il y en a encore. Ah, ici, c'est le petit caillou. Bon, bah, c'est bien, on produit. Je suis plutôt content. Donc, ils vont à la messe. Ça, c'est sûr. Ici, eux. Ça fait un grand champ quand même. On va peut-être le réduire un petit peu. S'ils mettent à chaque fois 2 ans et demi pour tout récolter, c'est pas très utile. Déjà, arrêtez d'empiéter sur le champ. Question. Si j'enlève maintenant, est-ce que ça reste? Ou est-ce qu'ils finissent par l'effacer? Une bonne question, ça. Eh ben, on va le savoir dans pas longtemps. Voilà. S'il le considère plus comme le champ ou pas. Bon, après, on peut réinitialiser le champ. Hein. Passe après. Fond de tour, il continue là-bas. Allez hop, réinitialiser le champ. Ah, on se calme. On se calme les gens. Alors. Non. On va réduire. Hop. Et on va exploiter. Ici. Un peu derrière. Et voilà.
Ça m'a l'air carrément bien. Ok, ensuite, la thune est revenue, fabrication. Bim, 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 fabrication de la boulangerie. Alors, la boulangerie. Bon, le boulanger, il fabrique ici, hein. Nous n'en pas en même temps. Alors, on va mettre comme ça, que ça sera bon. Oh. C'est joli. Magnifique. Donc, on va voir la boulangerie, hein, incessamment sous peu dans pas longtemps. Et, eh bien, je crois qu'on va acheter un petit bout de terrain. Il y a des nouveaux villageois, les gars. Il va falloir un petit peu se calmer, quoi. Ah, c'est bon. On va pas y arriver, quoi. ici, c'est tout mignon. Est-ce que c'est des arbres de tout mignon, c'est joli? Bon, les bûcherons, ils produisent. Plus de messages d'erreur. Aucune quête en ce moment. Donc, on va autoriser l'extraction. De toute la zone. Voilà. Hop, toute la zone, j'ai dit. Et on va ajouter une petite bergerie avec un espace un peu derrière, là, ça va être tout mignon, tout joli. Bergerie, coût initial 50. C'est magnifique. Hop. On va partir de là. Ah. C'est cool. C'est tellement mignon. La classe. Ça, c'est magnifique. Et hop, ça fera la miniature. Alors, et ici, ça construit tranquillement des petites maisons, les unes entassées sur les autres. Parfait. C'est parfait. Bon. Donc, ça produit à l'aide d'un puits et de... Oh, bon, on va se faire un petit puits derrière. Parce que sinon, ça va être la galère. Et puis, comment ça va être nouveau? Un puits, c'est pas... Ça coûte un peu d'entretien, mais c'est pas non plus la violence absolue. Là, ici, traverser la route. Pas joli. Le problème, c'est qu'on peut tellement tout entasser que j'arrive pas à me rendre compte si c'est une bonne idée ou pas d'y mettre ça dans un endroit. Bon, bref, on va dire que c'est une bonne idée. Allez, mon garçon, c'est bien, tu travailles. Allez, Steven. Bon gars, hein. Là, une échelle pour aller au-dessus. C'est un choix. Chacun son truc. Allez, villageois, faut. J'apprécie, hein. Vous veniez, mais. Ça va finir par être un petit peu compliqué là d'accueillir tout le monde, n'est-ce pas? Il est où Henri là? Ah! Niveau du poisson, super! Ah ouais, non mais. J'ai tout sauf le poisson. Suive le villageois. Ouais, bah ouais, suive. Mmh. Ah, qu'est-ce que tu fais, mon gars? Travaille à la maison. Voilà, ouais, tu vas, je sais pas où, tu vas à tes propres besoins. Oh, t'es tranquille. La vie est belle, quoi. Ok, donc là, il va acheter un peu de nourriture. Super. Donc là, il a le ventre plein. Yeah, bon, un petit peu de croyance. Bon, ça va, là, t'es bien, là, maintenant. Tu vas en pause de quoi? Tu travailles plus, fainéant? Je me prépare à travailler. Ah, tu vas retourner dans ton truc. Voilà. Ah, oh, faut que j'aille chercher du bois, c'est loin. Ah, oh, hop, finalement, j'ai envie de faire caca. Non? Ah ouais, ok, maintenant tu viens ici. Ah, c'est vrai que je reconnais que ça fait une sacrée crotte. Bon, j'aurais pensé que tu finisses d'abord de ce côté, mais bon. D'ailleurs, pour qu'ils finissent d'abord de ce côté, je crois qu'il y a une solution très simple. Voilà. T'es puni. Tu peux plus aller là. Voilà, c'est là qu'il faut que t'ailles maintenant.
C'est bien. Ah, c'est super. Super. Alors, notre boulangerie. Allez, Jacob, Edouard, au boulot, là. Allez, hop, ici, il y en a des gens. Ok. Bon, on a du menu, on a du machin, on a du visuel. Donc, ici, là. Marché, il faut plus de. Ok, alors, le enchantier. Je peux pas l'éditer. Faut qu'il finisse cette partie pour que je puisse l'éditer, je suppose. Ah, c'est pas grave. Il y a des nouveaux villageois, il y a une bergerie. Ouais. Ok. Excellent. C'est combien que c'est bien qu'il y ait de boutons? Je m'en rends pas compte, moi. Mais... On va dire que c'est bien. Du coup. Ah, il est gros le mouton. Oh punaise, dis donc. Ah ouais. On n'est pas là pour rigoler. Extraordinaire. Ah, c'est impressionnant. Impressionnant. Donc. C'est pas ça. Ouais. Ouais. La cabane du tisserand. Qui va pouvoir commencer à fabriquer du tissu. On va le mettre pas loin. Pas loin, pas loin là quoi. Tranquille. Hein. Pas du chemin. Hop. Cool. Est-ce qu'on a réglé nos problèmes de stock? Pierre, on a peut-être un peu trop. J'arrive pas à me rendre compte s'il va s'en occuper s'il y en a. Ah non, à deux. Hein. Je sais pas, 10, ça a l'air bien. On va voir de toute façon. S'ils arrivent à un moment à tous être maigres ou pas. En tout cas, ils produisent de la laine, un truc de fou. Alors, mon lieu de travail, Woodcutter Campa. Il n'y a plus de problème. Hein? C'est terrible la quantité de production de tout quoi. Allez, dépêchez-vous avec ça. J'aimerais bien qu'on en finisse. Et puis du coup, en attendant qu'ils construisent le reste, on va faire un autre petit truc de marché juste là. Hop, éditer. Étal de nourriture. Voilà. Commencer la construction. Ça, ça produit. C'est quoi encore qui est plein? Aucun problème. Faut arrêter maintenant. Deux tisserands. Allez, go. Ensuite. Ok, là, ça c'est bon, c'est en train de construire. Parfait. Allez, mon petit gars. Cool. Et donc ici, toi, marché, pain. Ah oui, puis on va avoir aussi... Oh là là. Alors là, on va avoir fabriqué un petit peu de tissu. Donc normalement, c'est les stocks. Stock, s'il vous plaît. C'était le travail, les stocks, les stocks, les stocks. Les stocks. Et on va la laisser parce que... D'ailleurs, 5... Oh là là, mine de fer, forgeron, brûleur de charbon. Enfin, moi, j'avais juste parlé comme objectif d'une bergerie et puis d'une boulangerie. Ça va, faut pas s'enflammer comme ça. Ah, ici on en a 13. Donc ça veut dire que... Pourquoi ça veut dire que... Enfin, que ça devrait pouvoir commencer à y aller?
Donc là, c'est pas en pause. Alors, est-ce qu'on a des planches? Yes, on a plein de bois. Et il nous faut un bâtiment. Un bâtiment. Un bâtisseur. Les ressources arrivent. C'est cool. Il y a de la ressource. Hein. Il y a du pain. Oh, c'est vraiment cool. Ah. Hop. Allez, Emily. Je vais aller vendre du pain. Emily, elle veut rien vendre. On va laisser la petite note des problèmes. Sinon. Stone Cutter part. C'est terrible. Il dépouille tout à une vitesse. Ah! Ah, ici c'est parfait, donc on va pouvoir peindre une d'extraction. Quand tu auras plus rien, on verra probablement. Bon, ça prend forme. Hein. Stone Cutter Park. C'est ici. Hein. Bah ouais, moi je veux bien. Le wood aussi. Le bois, tout est plein. Waouh! Il y a de la méthode. Excellent. Bon, les autres ils vont continuer à faire de la pierre taillée. Tu vas continuer à la vendre. Tout ça me paraît pas trop. Si, il faudrait plus de. Sinon, on en arrête un. Hein. Ça m'ennuie parce que. Ça se vend quoi. Vu qu'on a plus de monde, on va en faire un hein, comme ça pour tout le monde. Ce n'est que du business. Alors, donc, le marché, il est toujours en attente de bâtisseurs. Ça me stresse un petit peu. Cela, maintenant, j'ai vraiment tout ce qu'il faut quoi. Ah. Là, je comprends pas. Faudrait que je recommence encore à le faire. C'est fatigant un peu. Hein. 42 bois, 10 de vêtements. On les a. On en a plein. Même 500 de thunes. Oh, terrible. Terrible. Je vais le refaire ce marché, tant pis. Alors, l'atelier du tailleur. Non, c'est pas tout de suite. Enfin, si, mais non. On se calme. La cabane du tailleur de bois. On va se lâcher. Je vais en faire une. On va faire là. Hop, ici, ah là ça c'est cool, on en a, si on en a, si on a de la bouche, on a tout là, on est bien, hein. Le problème c'est ça, ah non c'est ça le problème, pourquoi cette construction, je n'ai pas le droit de l'avoir. Est-ce que c'est le zone interdite? Ah oui, c'est peut-être ça alors. Un des zones de développement. Zone interdite. Oh, je sens que c'était la boulette. Donc là, c'est une zone de rien. Elle est plus interdite, mais c'est une zone de rien. Je crois que même les moutons, ils osaient pas y aller. Ah oui, c'est ça, c'est la zone interdite. La zone interdite, c'est pas du tout le droit d'y aller. Super. Super débile, mais super. Enfin, super débile, moi en l'occurrence. Mais super. Bon, là, le champ est un petit peu big, mais bon. C'est pas très grave. En termes de stock, est-ce qu'on a... Ouais, c'est juste, hein. Un champ qui est grand. Ok, super. Bon, bah maintenant, on va continuer dans le... Voilà, je suis content. On va continuer dans le business. Alors, d'ailleurs... Bah après, il faudra l'éditer celui-ci. Excellent! Ça me fait plaisir, j'aime bien quand ça marche. Ouais, comme tout le monde. Hein. Mais bon. L'atelier du tailleur. Ouh, attention. Là, lui. Magnifique. Et des nouveaux villageois. Ici, ça, c'est bon. Là, lui, il vient là, ensuite il vient bosser là.
s'acharne et on se calme. Lecture normale. Ah oui, oui, oui. Oh, c'est encore un peu bugué, quoi. C'est Matrix. Bref. L'église. Fréquentation des fidèles. 12 sur 40. 13 sur 40. 15 sur 40. 17 sur 40. 18, 19, 20. 21. 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31. Me dis pas qu'il va falloir commencer à l'agrandir, hein, le machin. 32, 33, 34. C'est une blague. Sortez de là! 36, 39, 40. Non. Sérieux, c'est plein? Alors, livré. Ouais, on va aider qui alors? On est bien avec le roi, bien avec le peuple. On va aider le peuple. Bim. Pourquoi j'ai besoin de ressources dans les entrepôts? Ah, tu vas me dire que dans les entrepôts, il n'y a pas? Ah, il n'y en a que zéro. Allez, stocke le maximum. Ouais. Ça va bien se passer. Si je clique sur entreposer, ça fait quoi? Ça a pas l'air de changer grand chose. Ah si, ça met en jaune, bien sûr, ça j'ai vu. Non, on arrête la vente pendant 5 minutes, hein, c'est pas un problème. Yeah! Excellent! Alors, pause. J'aurais dû d'ailleurs laisser les ressources. Hop. Je sais pas ce que ça fait, donc je vais cliquer. Donc là, église, le machin. J'en ai ouvert des trucs, hein. Donc ici, hop. On dégage tout. Tout simplement. Ensuite, on assigne Georges. Non, pourquoi Georges? On a des professionnels. Chon, charpentier, machin. T'es qui, toi? Tu te prépares à travailler Florence. Voilà, teneuse de marché, transport. Ah ouais, elle fait toujours ça. Ok. Level... Level rien du tout, quoi. Voilà. Bon, bref, c'est pas très grave. Allez, hop. On assigne George et William. Même si j'avais pas envie que ce soit ni George ni William. On vend de la nourriture. On va vendre que du pain pour l'instant. Et là, on va vendre des vêtements. Et on va éditer. Parce qu'on va rajouter un autre étal à nourriture. Ouais. Un autre étal de nourriture. Et j'ai bien fait de prévoir un peu. Et du coup, j'ai la sensation d'avoir quand même prévu un peu pas assez. Mais bon. Donc là comme ça. Hein. Hop. On en rajoute la tente bleue. Hop. Et on va essayer de le déplacer. Histoire que ça pue autant dans le chemin. Et. L'autre du dessous. Voilà. Magnifique. Toi, je peux pas t'éditer. Hein. Montrer la caméra. Je vais effacer. J'ai peur. Je peux pas virer un banc, quoi. Tristitude. Bon, allez, on recommence. Il faudra une enseigne d'ailleurs. J'ai un peu oublié. Étal de nourriture.
étale des nourritures. La tente bleue qui va avec la nourriture. Là, on essaye de déplacer juste ça. Cale ça comme ça. Magnifique. Et ensuite, on rajoute enseigne d'étal de marchandises. Non. Nourriture. On va mettre comme ça. Ah, c'est ici. Trop bien. Ah. Voilà. Et puis, pour le moment, on va valider. Hop. Ensuite. Carla. Au travail, Carla. Donc ici. Lui il est là mais il a rien à vendre. Georges. Ah Georges il y a une base en Georges. Yes. Ok, donc ici, bim, et voilà. Oh là 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 là. Magnifique. Ah franchement. Travail. Parfait. Bon ici par contre, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de bouzous. Et donc le peuple est heureux. On a débloqué la cabane du pêcheur. Manoir du seigneur et la haie. Ouais, ouais. Allez, on va... Ah, je peux pas tout débloquer. Ah mince. La mode castrale. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Un avant-poste sur votre territoire. Ouais, mais je veux pas participer tout de suite. On a d'autres priorités pour le moment. Hein, tu restes tranquille. Allez. Module additionnel. Excellent. Du coup. Hein. Ouais, voilà, si on veut pêcher. Ici, va éventuellement. Territoire. Gratuit. Ça ajoutera aux impôts. Hein. Allez. Donc, la cabane du pêcheur, excellent. Comment c'est, dans quel sens? C'est dans le bon sens, c'est au moins. Alors, moi je dirais que au vu de la couleur, ouais, non. Difficile à dire. Ouais, non, la cabane de l'intérieur, on regarde vers la flotte. Par contre, la question que je me pose, c'est pourquoi ils ont pas attaqué ça encore? Ah oui, bah oui. Parce que je viens de me l'acheter. Allez. Une zone d'extraction totale. Hop. Et du coup, on va arrêter d'extraire ici pour qu'ils aillent rapidement. Ça parce que du coup de là hop le plus intéressant ce sera ici. Alors cabane du pêcheur, allons-y pêcheur. Parfait. Et les arbres, j'espère qu'ils partiront après. Voilà, c'est tout. Alors par contre, on va pas signer un villageois tout de suite. En même temps, j'ai 88, donc ça devrait aller. Allez hop, Herman, félicitations. T'es bientôt riche parce que my tailor is rich, hein. On a quand même un qui a réussi à construire un truc là. Les mecs, c'est des teigneux. Lâche rien, quoi. Ok, alors du pain, on en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut faire comme commerce encore? Alors déjà, on peut débloquer cette route commerciale. Là, par contre, celle-ci, là, il y a un petit bug d'affichage, mais je vois bien quand même que c'est vachement plus que ce que je peux me payer. Alors, on va mettre la pause et on va acheter si c'est des trucs, si on a besoin. Hein. Pas intéressé, pas intéressé. Des herbes, du verre.
Pardon. Ville voisine. Donc là, moi chez eux, je peux acheter de la laine. Ah non, ils vendent du charbon, du fer et du verre. Ça, c'est sympa. Et moi, je peux leur refourguer des vêtements et de la laine. Ouais, pour le moment, je peux pas leur refourguer beaucoup. Mais je peux quand même leur refourguer. Donc, je vais leur refourguer. Je vais aller essayer de leur refourguer un maximum. Ce qui est au-dessus de 10, je vends. Tout ça, je peux en essayer de partir sur 50, 40, 20. Je sais pas combien il faut de ça pour faire. Allez, est-ce que j'ai au-delà de 30? Voilà. Pareil pour le pain. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui achète du pain. Je suis pas sûr. Oui, il vend du pain. Personne n'achète du pain. Merci les gars. Il achète de la bouffe comme ça, ok. On met en vente des planches, du vin, ok. Bon, la mine de fer, le brûleur de charbon. Ah, bon, ça c'est intéressant. On peut se faire du charbon. On peut se faire du charbon. Et puis bah, il y a un petit peu de place ici, là, tranquille. Hop, on va se faire du charbon. Par contre, la mine de fer. Elle est pas loin. Combien? Combien? Ah, je parle chaud quand même. Elle est pas loin. 415 de thunes, ça devrait aller assez vite. Ah bah, c'est ici. Non, allez, s'il te plaît. Hop, ça allait être rapide. Bref, du coup, ici, bah, une petite mine. Mine de fer. Bon bah là du coup je les ai pas laissés. En attendant. On a du maçon. Ça c'est en chantier. La boulangerie COP. Le tailleur il bosse. Ici eux 10 ça leur suffit. Ah. Faut quelqu'un ici. Ah ça va. Ici il nous faut quelqu'un. Ah bah on a Émilie qui est toujours au fond. Hop, impeccable. Parfait. Atelier du tailleur, c'est bon. À la cabane du pêcheur. Elle est où? Elle n'est pas finie. Une maison se modernise. Je vais voir ça. Oh là 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 là. La classe. Oh là, ça y est. Oh, les mecs sont au taquet. Pour autant vous avez prêt. Ouais, ok. Ah, la cabane du pêcheur est terminée. Un villageois qui manque d'espace pour installer sa maison. Ouais. Bah écoute, je te propose quoi? Qu'est-ce que je vous propose? Déjà de réduire le truc là. Hop. Je vous propose un petit espace par ici. Quand je dis petit, je ne mens pas. Du coup, j'autorise l'extraction de cet arbre. Voilà. Et je vous propose également de pouvoir vous étendre tranquillement dans cette zone afin de profiter de la vie merveilleuse auprès des moutons. Et voilà.
je pense que... Bah voilà. Il me semblait bien que ça allait pas tarder à y aller. Alors, salut Pierre. Allez, va travailler Pierre. Ouais, cool. Vas-y. Et tu pars au bateau? Bateau volant. Ah non, c'est bon. Eh, tu vas où? Eh mec, sérieux? Au revoir, hein. Eh, tu comptes aller loin, là? Ok, bon, ça te faisait chier de pêcher ici. Bon. Comme tu voudras, mon gars, comme tu voudras. Alors ici, le brûleur à charbon. Encore des nouveaux villageois. Non, mais c'est terrible. Oh, maintenant, c'est des citoyens. Alors, oh là là, tout est plein. Je suis coincé en allant à house. Ouais, non, mais ça, mon vieux... Voilà quoi. T'es coincé hein. Vous allez pas vous mettre si près. Je peux quand même pas tout casser. Je peux tout casser d'ailleurs. Ah ouais, je peux tout casser. Si je leur cassais tout. Enfin qu'ils reconstruisent dans des. C'est un peu. Voilà. Ils vont reconstruire, ils ont toujours le droit. Ah, ils ont toujours le droit. Ils vont reconstruire. Ah, ils vont essayer de faire ça mieux. Ah, j'espère. Un villageois manque d'espace. C'est sérieux? Ah, faut pas déconner, il y a de la place là. Ok, c'est bon. Quoi? Si vous allez plus loin. Ça me dérange. Pardon, pas du tout. Voilà, c'est bon. Alors, après, là, on casse tout ça, là. C'est bon. Ici. Allez, trois charbonniers. Voilà, oh là, là, là. Hey, j'ai toujours pas fait ça. 500. J'ai déjà trop de thunes. Construire. La mine de fer. Oui, je pense que deux. Ah, c'est bien pour se la péter, mais c'est... Voilà, j'aime bien le concept. Un nouveau bâtiment, un nouveau bâtiment. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a? Oh là 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 là, le manoir du seigneur. Le pont en pierre. La noire du seigneur. De manière à moi, ça. What? Sérieux? C'est pas un manoir, ça. Mode castral. Mince. La mode castral. Ok. Donc, c'est un monument. Ah ouais, la mode... Ok, c'est pour se battre alors. Ok. Ok. Décoration. Pont en pierre. Permet de traverser les obstacles. Sérieux. L'église rustique, le pont en bois, le manoir du seigneur. L'église rustique. Il va nous en falloir une autre bientôt, je crois. Celle-ci, elle va pas être suffisante. On va laisser finir de découper, de dépouiller les arbres là, puis après ils vont attaquer ceux-là. On leur fera peut-être un petit pont pour aller sur cette presqu'île, sur cette île. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Ça avance bien, je suis plutôt content. Donc on aura bien avancé dans cet épisode. Finalement, on aura fait 2-3 petites choses en plus, notamment la cabane du pêcheur qui ramène d'ailleurs du poiscaille. Quelqu'un achète le poiscaille? Non, parce que j'ai plus. Faut que je refasse un étal, sérieux. Vérification. Lui. Ok, c'est pas pour tout de suite. Ah, mais c'est peut-être ça alors, attends.
petite trésorerie augmente légèrement la capacité de vos coffres. Je connais un seigneur qui va pas tarder à avoir une petite maison tranquille. Au prochain épisode. Allez hop, petite sauvegarde. Tac. Sauvegarder. Et voilà. On va revenir au menu principal. Bon, j'espère que vous avez bien apprécié ce petit épisode. Est-ce que ça vous donne envie d'acheter ce jeu? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Parce que moi, je regrette franchement pas. Et bien, sur ce, amusez-vous bien. À ciao, bye bye.